Marie-Chantal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Maxime. Vraiment, enchantée. Vous êtes de quelle région? Vous n'êtes pas de Châteauguay? Non, je suis de Mont-Saint-Hilaire. OK. J'ai grandi à Boucherville, puis je suis née à Saint-Léonard. Vraiment, la famille assez moyenne. Maman professeur, enseignante au primaire. Papa ingénieur qui travaille au municipal avec un frère qui est 2 ans plus jeune que moi. OK. Ouais. Et quel genre d'étudiante vous étiez? Est-ce que vous étiez très studieuse dans les livres ou plus du genre à courir partout? Les deux. Les deux, ça, c'est possible? Les deux, absolument, ouais. Oui. Un peu hyperactive. Ouais. Rapidement identifiée par mes professeurs comme une enfant qui a besoin d'être stimulée. Je vous disais tantôt que ma maman est enseignante. Oui. Alors, elle m'a stimulée dès mon très jeune âge. Okay. Alors, déjà à 4 ans, j'apprenais à écrire, j'apprenais à lire. Alors, mes professeurs, en début de primaire, avaient détecté mon désir d'apprendre et elles ont sauté sur l'occasion de pouvoir continuer l'enseignement que ma maman m'avait donné plus jeune. Donc, je suis une enfant qui a beaucoup aimé bouger. J'ai été hyper stimulée par mes parents. Fait que rapidement, tu sais, cours de natation, cours de patin, ski de fond, ski alpin. Et rapidement, tu sais, patin, comme j'ai dit tantôt, gymnastique. Okay. Et ça, ça a été ma grande passion de jeunesse. J'ai fait de la compétition de gymnastique. Pendant de longues années, ça a été une très grande passion que je souhaite à tous les jeunes. À tous les jeunes, trouvez-vous une passion. Ouais. C'est tellement trippant. Donc, ça a pris beaucoup de mon temps, ça, évidemment, parce qu'on sait que la gymnastique, c'est une discipline qui est exigeante. Et à l'école, ben oui, j'aimais apprendre. Alors, bien sûr que j'étais studieuse, tout à fait, oui. C'était quoi vos ambitions de carrière étant jeune? Il y a des classiques qui reviennent. On veut être vétérinaire, on veut sauver le monde, on veut être astronaute. Bien, c'était quoi votre cas? Bon. Bien, c'est sûr que quand tu es tout jeune, tu veux faire comme c'est ta maman qui est enseignante. Oui, c'est un modèle. J'étais chanceuse parce qu'elle m'invitait à aller avec elle en classe quand c'était ses journées pédagogiques ou quand j'avais un congé. Elle m'invitait à aller en classe. Alors, je l'assistais. Ça, j'aimais beaucoup ça. Vraiment. J'ai un peu moins accompagné mon papa. Mon papa, il était très présent, mais il était en responsabilité municipale. C'était plus difficile. C'est étonnant ce que je vais te dire. Adolescente, je voulais devenir soit écrivaine ou réalisatrice. OK. Oui. Oui. J'avais le goût de créer un monde, dans le fond. Je pense que c'est ce que je réalise. Mais comme je te disais tantôt, j'aime apprendre. Alors, on a fait avec mon papa un travail bien, bien rationnel. OK. Puis là, j'ai peut-être des conseils à donner. C'est-à-dire qu'on a fait un tableau. Et là, dans quelle matière es-tu bonne? Performes-tu, Marie-Chantal? Puis là, on a ouvert le livre de carrière du cégep. Là. Okay. Et puis ça, là, à la fin de secondaire, j'imagine. Exactement. Oui, ouais, secondaire 4 ou 5. Pour savoir dans quel cégep, dans quel cours tu prends au cégep pour savoir où tu t'en vas à l'université. Là, dans le fond, il faut que tu puisses voir ce cheminement-là. Et là, on regarde. Puis évidemment, bien, Marie est bonne en chimie, elle est bonne en maths, elle est bonne en sciences, elle est bonne en physique. Puis là, sans même allumer, là, mon père est ingénieur, là, sans même allumer sur, bien là, le ça génie. Ça, ouais. On fait la recherche, puis là, on découvre que, bien, Marie, le génie. Ouais. Alors, je rentre en sciences pures, ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense, sciences nature. Et puis, je fais mon parcours, puis ce que je trouvais intéressant au niveau du génie, parce que c'est pas facile de faire des choix quand t'es jeune. Ah non, vraiment pas. Hein. Et ce que j'aimais beaucoup du génie, c'est que ça fermait aucune porte. Même si je voulais devenir médecin, je pourrais m'en aller en génie biomédical. Ouais. Si je voulais plus aller en gestion, comme on dit, le génie mène à tout à condition d'en sortir. Si je voulais enseigner, je m'en vais jusqu'au maîtrise doctorat. Fait que toutes les portes étaient ouvertes pour moi. Alors, le choix s'est fait de façon très rationnelle. J'ai retrouvé plus tard dans ma vie, dans le fond, l'aspect créatif que j'avais le goût de trouver quand je désirais devenir écrivaine ou réalisatrice. Vous êtes allé à la Polytechnique? Exactement. Ouais. Oui. Comment ça s'est passé, ces études-là? Est-ce que vous étiez à la bonne place, finalement? J'ai trippé. Oui. J'ai beaucoup aimé étudier à Polytechnique. C'est une grande école, quand même. C'est une magnifique école. Avec mes collègues, on le sait, qu'on n'est pas beaucoup de femmes à Polytechnique.
Et jamais je l'ai senti. OK. Jamais je l'ai senti. C'était body-body, les relations. C'est très... très facile à ce niveau-là. Puis les études étaient exigeantes, bien sûr. Ouais. Mais j'aime les défis. Mm-hmm. Alors, j'ai même, à un moment donné, j'ai eu un échec dans un cours. Mm. Puis ça a été une grande leçon de vie. Ah oui. De passer à travers cet échec-là, de me reprendre, de mettre l'épaule à la roue encore avec plus d'intensité. Une belle école polytechnique. Et j'en ai profité à ce moment-là pour m'impliquer davantage au niveau des associations étudiantes. OK. Alors, j'ai commencé à m'impliquer dans l'association étudiante de Polytechnique. Ensuite, la coalition des facultés d'ingénierie, donc plus largement. Fait que déjà ouais. là, on voyait très jeune que j'avais le goût de, d'avoir une perspective plus large que le milieu dans lequel je m'inscrivais. Ouais. Fait que la coalition des facultés d'ingénierie du Québec. Puis ensuite, je suis devenue vice-présidente puis présidente de la coopérative étudiante de Polytechnique, qui était à ce moment-là la plus grande coopérative étudiante du Québec. On avait 8 millions de chefs d'affaires. Et puis, c'est même là où j'avais négocié avec le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement péquiste, avec Yves Bérubé, qui était le ministre de l'Éducation, un prêt que pouvaient avoir les étudiants pour avoir leur propre ordinateur. Hein. On se reporte, on est dans la fin des années 80, pour que les étudiants puissent commencer à avoir leur ordinateur à eux. Fait que, tu sais, déjà, là, j'avais... Ouais, il y avait de la politique, là. Déjà, j'avais une tendance à vouloir essayer de mettre des structures en place qui facilitaient le travail de ceux que je représentais puis de faire des représentations à plus haut niveau. Alors, ça a été ça, des belles expériences de vie. Puis j'invite mes filles, j'ai 3 filles, à faire la même chose. Ouais. Oui. Et par la suite, c'était dans quel domaine plus précisément votre carrière, où vous avez travaillé en fait? Mais moi, j'ai étudié en génie des matériaux. OK. Fait que j'ai fait un court laps de temps en génie industriel. J'ai réalisé que moi, j'avais besoin de comprendre le fond des choses. Okay. Alors, c'était soit génie physique, ou je te dis toujours à la blague, à la fin de ton bac, tu es capable de faire la preuve que 0 égale 1 sur 25 pages, ou génie des matériaux. Qui était plus vraiment une science fondamentale, mais plus appliquée sur le terrain. Plus concret? Oui, exactement. Ouais. Alors, j'ai travaillé pendant mon bac pour IBM. J'ai eu des belles occasions. Et à la sortie de mon bac, j'ai travaillé pour Alcan. OK. Qui, à l'époque, là, ceux qui ne le savent pas, était une grande firme. Ils se battaient entre Alcoa et Alcan à travers le monde. Des grandes firmes dans le milieu de l'aluminium. Oui. La première et la deuxième place. Aujourd'hui, Alcan a été acquis par Rio Tinto, exactement. Donc, ça a été une belle école. Je suis allée travailler à Toronto. Okay. Et puis, on m'avait fait un plan de carrière à ce moment-là où est-ce que j'allais faire 7 usines d'Alcan sur 3 ans. Mais au bout de quelques mois, ils ont dit, Marc-Chantal, on voit la fougue que t'as. Alors, ils m'ont donné un projet pilote. Okay. Où est-ce que, dès le début des années 90, j'implantais l'amélioration continue. Fait que j'ai eu la chance d'être formée à la grande école japonaise de l'amélioration continue et des Kaizen dès mon plus jeune âge. Et là, j'implantais des projets pilotes d'amélioration continue dans les usines d'Alcan. OK. Oui. Wow. Oui. Ça a été emballant. Oui, vraiment. Vraiment, oui. Je travaillais avec les métallos. Tu sais, pour comprendre, là, tu sais, mes buddies, ceux avec qui je travaillais, c'était les métallos. Fait que, tu sais, j'arrive dans l'usine, mes bottes d'acaptacier, mon casque, mes, tu sais, puis... Puis là, ben hey, les boys, il faut qu'on fasse de l'amélioration continue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis de toute façon, ça fait 25 ans qu'on leur dit quoi faire, puis ils ne nous écoutent jamais. Ouais. Puis ils avaient un peu raison. Puis de toute façon, on s'en va t'aider. On va-tu tout perdre notre job? Fait que... Ça prend confiance. Dit... Oui, fallait que je la construise. Moi, je leur ai dit, vous avez raison. On vous a probablement pas assez écouté. Donnez-moi une chance. Puis... Moi, je vais aller négocier avec la direction qu'il n'y aura aucune mise à pied. Fait que si on rentre dans des projets d'amélioration continue, il n'y aura aucune mise à pied dans les années qui vont suivre. La direction m'a donné son engagement et j'ai travaillé avec les gars à faire... Puis en l'espace de 2 ans, on a fait 60 projets d'amélioration continue. Ça a été assez impressionnant. Puis quand tu travailles avec ceux qui sont sur le terrain, c'est là où tu as des moments magiques de progression d'entreprise, puis de mobilisation de tout le monde qui a enfin une voix pour faire améliorer les choses. Fait que ça a été, puis mon surnom,
Ouais. C'était Capucine. OK. Ouais. Fait que tu sais, c'était. Il me protégeait, puis en même temps, il collaborait beaucoup avec moi. Fait que okay. J'ai eu vraiment des belles années. Mon congé de maternité de ma deuxième fille, mon conjoint de l'époque, je l'avais aidé à écrire son plan d'affaires, je l'accompagnais, ça ne levait pas vraiment. Et pendant mon congé de maternité, je l'ai accompagné pour démarrer son entreprise et je me suis fait attraper par l'entrepreneuriat. Ah, okay. Qui coulait déjà dans mes veines par mes grands-parents des deux côtés. Ah, OK. Oui. Fait que ça a été là, une passion que j'avais eue en gymnastique. Là, je retrouvais une grande passion. Okay. Au niveau de l'entrepreneuriat. Une plus grande liberté aussi pour travail-famille. Oui, bien là, c'est-à-dire que je n'avais pas à négocier mon espace de conciliation famille-travail avec un patron. C'était avec moi-même. Ouais. Alors, entre les allaitements, je pouvais céduler des rencontres de clients. Tu sais, si la petite est réveillée la nuit, bon, ben tu sais, je m'occupe de la petite, puis c'est à ce moment-là que je peux travailler. Puis je suis pas en train de faire pitié, là. OK, je suis pas en train de faire pitié. Ouais. J'étais un peu hyperactive. Et ce mode de vie-là m'allait très bien, d'être capable d'avoir des espaces où je me réalisais professionnellement, puis en même temps d'avoir toute la joie d'avoir mon espace famille qui coexistait avec ça. Ouais. Moi, ça m'allait vraiment, vraiment bien. Mm-hmm. Vraiment, ouais. Et votre entreprise, c'était dans le même domaine, j'imagine? Non. Non? C'était dans le domaine de l'aéronautique. OK. Alors, comme ingénieur en matériaux, bien, on s'entend là, que les matériaux, c'est clé en aéronautique. Oui. Donc, j'étais en terrain connu. C'était moi qui étais la vice-présidente exécutive de l'entreprise puis qui s'occupait de tout le développement des affaires. Donc, je voyageais beaucoup avec maman ou belle-maman puis bébé sur le bras. Ben oui, aller rencontrer les clients à l'international parce que le monde de l'aéronautique, c'est un petit monde, mais géographiquement, il est vaste. Il est étendu. Oui. Oui. Est-ce que la politique avait déjà commencé à vous intéresser concrètement? À l'école, on l'a vu, vous l'avez mentionné, là, mais vraiment être dans sa communauté, un peu plus impliqué. Tu as tout compris. C'est-à-dire que tu vois que dans ma façon de travailler, j'ai toujours intégré la famille dans ma façon de travailler. Puis j'espère que la société va faire ça de mieux en mieux. Oui. Hein? Comment intégrer notre préoccupation face à notre famille mieux dans notre société de travail? On a encore du travail à faire là-dessus. Oh, OK? Donc, c'est évident que mes choix, moi, j'appelle ça du parapolitique. Hein? Fait que tu vois qu'à l'école, je m'étais déjà impliquée. Donc, tous mes choix d'implication dans ma communauté se sont toujours faits en cohérence avec là où j'étais dans ma vie. Donc, je déménage dans un nouveau secteur. Il manque 2000 places en garderie à ce moment-là dans le secteur. Moi, je marche les rues, là, walk the street. Là. Je marche dans les rues, je cherche une place pour mes enfants. Puis à un moment donné, par hasard, je vois dans une cour, il y a plein de jeux, je m'en vais dans la cour pour réaliser que je tombe sur un homme qui est dans un projet pour fonder un nouveau CPE, vient d'apparaître les CPE. Okay. Et je lui dis, regarde, moi, je suis intéressée. Donc, j'embarque et je deviens impliquée sur le conseil fondateur d'un CPE. Okay. Je vis ça. Auparavant, j'étais déjà impliquée dans la communauté où est-ce que je vivais auparavant, sur le comité pédagogique, sur le comité d'embauche de personnel de la garderie du moment. Donc là, je suis sur le conseil fondateur d'un CPE. Quand les filles commencent à l'école, sur les conseils d'établissement. Donc, je fais ça. Et dans l'aéronautique, je commence à m'impliquer de plus en plus dans l'Association québécoise de l'aéronautique, dans les premières années de la grappe aérospatiale, la chaîne d'approvisionnement, le comité, le groupe de travail sur l'innovation. Donc, je suis toujours en train de m'impliquer dans ma communauté, mais il faut que ça soit toujours en cohérence avec ma vie. Hein. Il ne faut pas trop que je m'écartèle entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, dans un redémarrage d'entreprise suite au 9-11, oui. parce que j'étais en aéronautique,
je viens de faire un super gros, je fais un petit aparté. On fait un très, très gros investissement de plusieurs millions de dollars pour acquérir des hangars, dont le deuxième hangar, on l'acquiert le 6 septembre 2001. OK. Le 11 septembre 2001, ouais. Cinq jours après, pataclar. Ouais. OK? Fait qu'on peut... Vous comprenez que ça a été... Les années qui ont suivi ont été des années difficiles, mais je me suis relevée, j'ai redémarré l'entreprise. Et dans ce redémarrage-là, où j'allais rencontrer mes clients, je repartais complètement à la base. Hey, tu sais, je restais aux États-Unis dans ce qu'on appelle des motels 6. Là, tu sais, okay. Ça coûtait rien. Oh, ouais, c'est vraiment... J'avais un employé qui m'accompagnait, puis à un moment donné, il dit, tu sais, toi, Marc-Chantal, ton ultime rêve plus tard. Puis à ce moment-là, je lui avais dit, ministre de la Famille et du Travail, en ouais. même temps, parce que déjà, je voyais que comme société, on faisait pas bien ça pour que nos jeunes puissent offrir le meilleur qu'ils allaient pouvoir offrir éventuellement à la société. Pour qu'on puisse construire nos jeunes, la société ne faisait pas encore bien la conciliation famille-travail. Et j'ai écrit mon livre, donc ça c'est à peu près en 2001-2002, en 2002-2003. J'ai écrit mon livre en 2017-2018 la CAQ est venue vers moi. Il me restait deux semaines. On était dans les grandes révisions du livre. Le livre était presque terminé. Et la Coalition Avenir Québec est venue vers moi à ce moment-là. J'étais un peu, effectivement, là, mon entreprise était rendue autonome. Mon livre était quasiment terminé. Le timing était bon. Vraiment. Ouais. Alors, la personne qui m'a approchée, c'est... J'avais oublié que j'avais eu cet intérêt-là plus jeune. C'est venu réveiller quelque chose en dedans de moi que j'avais complètement masqué à l'intérieur. J'avais complètement oublié ça. Et c'est venu me brasser solide. Alors, j'ai fait mes devoirs pendant l'été. Et la rétroaction de mon entourage, là, autant mes employés, ma famille, mes filles, mes parents, mes amis, comptables, avocats, disaient tous, on le savait un jour, Marc-Chantal, que tu allais aller en politique, on se demandait juste quand que j'étais là. OK, vous voyez quelque chose que moi, je ne voyais même plus, que je ne regardais plus. Ouais. Alors, j'ai décidé de faire le saut, le grand saut dans le vide. Ouais. Une belle victoire pour le parti, qui était une vague, on pourrait dire. Ouais. Donc, j'ai posé la même question à d'autres invités de votre parti, mais qui vivaient un baptême là, d'élection. Ouais. Et... Donc, ça faisait quoi de ne pas être la seule nouvelle dans élu? Vous étiez plusieurs à arriver à l'Assemblée nationale pour la première fois. Mais je suis une entrepreneur, ouais. Maxime. Pour moi, là, rapidement, on est en train de démarrer une très grande entreprise. Ouais. Et on est en train de démarrer, à ce moment-là, c'était 74 députés, 74 PME. Mm-hmm. Alors... C'est dans toute cette conscience-là de ce qu'on est en train de démarrer et dans toute cette clémence-là d'un démarrage. Je suis consciente à quel point on est exigeant d'une haute performance en politique, mais moi, j'avais beaucoup de clémence, reconnaissant que c'était incroyable ce que nous étions en train de démarrer tous ensemble, puisqu'on n'avait pas une organisation des 50 dernières années déjà bien implantée au gouvernement. Le parti... n'avait pas encore 7 ans. Non, très jeune. C'est d'ailleurs le plus jeune parti qui a été élu. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé admirable à quel point on a su démarrer aussi rapidement toute cette organisation-là. 600 employés à embaucher, 74 bureaux de comté à mettre en place. Avec quoi il y avait deux personnes qui avaient de l'expérience politique dans un cabinet ministériel, je pense, M. Legault, Mme Blais, impressionnées par la performance de mon parti. Impressionnées, vraiment. On voulait un ministère, justement, assez rapidement. On parlait d'expérience. Oui. Parlez-moi de ces derniers mois qui nous ont mis à l'avant-plan dans l'actualité. Ça vient avec des critiques, ça vient avec plein de choses qui sont du bon et du mauvais. Mais comment on vit avec ça? C'est challengeant, j'imagine, hein? Jamais j'avais fait des grands sauts dans le vide dans ma vie. Ça avait toujours été en parallèle. Tu sais, j'étais chez Alcan en congé de maternité, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Tu sais, je suis devenue seule à la tête de l'entreprise à travers, bon, une faillite corporative. Tu sais, tout s'est fait de façon toujours transitionnelle.
Là, pour la première fois dans ma vie, j'avais l'occasion d'un vrai grand saut dans le vide. Puis je trouve que vous, les hommes, vous faites ça naturellement, des grands sauts dans le vide. Nous, les femmes, on a beaucoup plus de prudence, on veut avoir fait nos devoirs, on veut avoir bien étudié les choses, on veut être doublement prête. Là, j'ai l'occasion de dire, Marie, tu as l'occasion de vivre un grand saut dans le vide. Je ne connais pas le langage du milieu de l'environnement. Je suis une scientifique, je suis une ingénieure, mais je ne viens pas du milieu de l'environnement, je viens du milieu aéronautique et métallurgique. Je ne connais pas ce langage-là. Et j'avais dessiné la progression que j'avais le goût d'avoir au sein du gouvernement. Bien sûr que j'avais des aspirations éventuellement de devenir ministre, mais pas au jour 1. Et c'est comme ça que je l'avais signifié. Au jour 1, j'avais le goût justement d'aller me familiariser avec mon comté, d'implanter mon bureau, d'établir des relations, de connaître l'appareil gouvernemental. Puis, lentement, pas vite, j'avais dessiné, j'avais vraiment communiqué mes intentions de quel cheminement je pourrais faire, et l'environnement arrivait en troisième lieu. Alors, c'était un, je faisais ça, deux, je faisais ça, trois, je pouvais arriver à l'environnement pour avoir construit suffisamment de matière et de connaissances pour y arriver puis pour pouvoir performer. On me l'offre spontanément. L'environnement. Je suis déjà au courant que c'est un superbe défi et... Qui est une priorité pour bien des gens. La planète, elle me tient à cœur. OK? J'ai trois filles, là. Mm-hmm. Regarde, c'est comme un cri du cœur. Ben oui. Marie, peux-tu dire non à ça? C'est pas possible! Wow! Avec toute la naïveté qui vient avec de la non-connaissance. Ouais. Alors, je dis oui. Mm-hmm. Et je suis emballée. Et je travaille fort. Et ce que vous avez vu dans les médias, ça représente 5 % de mon temps. Mm-hmm. 95 % de mon temps, je travaille et je trippe solide, là. Mm-hmm. Je rencontre mes sous-ministres, sous-ministres adjoints. Je rencontre les associations Équitaire, Greenpeace, David Suzuki. J'établis des relations, j'apprends le secteur, je réalise. Regarde, on est dans... Tu sais, je négocie avec M. Legault pour qu'on puisse être présent à la marche pour la planète. Mm-hmm. Il y a le pacte pour la transition qui est en train de s'établir. Vraiment, je suis sur mon X et j'ai beaucoup de plaisir. Mais au jour 5, on m'offre... Je suis la première ministre sans expérience à qui on offre d'aller faire un scrum. Ouais. Encore dans ma grande naïveté, je fais « Hey, let's go! Ouais. » On s'en va essayer ça. Et... une de mes réactions, ça m'a permis de comprendre ça, une de mes réactions naturelles, c'est je fige dans la crainte ou dans l'inconnu. Vous n'étiez pas obligée d'accepter non plus. J'étais pas obligée d'accepter, mais je suis une entrepreneur. Ouais. Alors moi, là, je suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis quelqu'un qui se lance, qui fait comme go, on y va. Uh-huh. On vit l'expérience. J'ai vécu l'expérience, j'ai compris encore plus profondément sur mes systèmes de défense à moi. Uh-huh. Dans l'inconnu, j'observe, je suis attentive, je me tais, je regarde. Dans la peur, je fige. Mm-hmm. C'est mes réactions naturelles. Mm-hmm. Mais le plus important que j'ai compris là-dedans, parce que donc au jour 5, je vis ça, je suis un peu étonnée qu'on cartonne là-dessus pendant un mois et demi, parce que je dis, bien, j'ai pas fait d'erreur politique majeure, j'ai pas mis personne dans l'embarras, j'ai pas fait d'erreur diplomatique, bon. Mais... on en parle encore pendant un mois et demi. Et là, mon deuxième scrum, parce que là, après, entre les deux, j'ai fait des entrevues de fond, ça s'est bien passé. Mais mon deuxième scrum, je suis vraiment malade, je fais 102 de fièvre, mais on me signifie que j'ai pas le choix d'y aller. Alors moi, je suis une femme de... je prends mes responsabilités, on me dit qu'il faut que j'y aille, j'y vais, là. Ce que j'ai compris, c'est super important. C'est essentiel, ce que j'ai compris. Marie, maintenant, tu es en politique, tu n'es plus une entrepreneur. Fait que peu importe ce qui se passe, t'as beau être prête à suer sang et eau pour le défi qui est là, t'as une obligation de tisser une relation de confiance avec tes citoyens. Mm-hmm. Et ça, ça se passe par maîtriser tes dossiers, être en forme et te présenter au meilleur de toi-même lorsque tu établis cette relation-là. Et cette relation-là avec tes citoyens, ça se passe comme en ce moment avec toi. Mm-hmm. T'es un représentant des médias. Ouais. Tu es celui qui va décider comment je vais être projetée auprès de mes citoyens. Et j'ai eu, là, pour moi, c'est le grand... Tu sais, au-delà des heures et tout ça, là, c'est le grand given pour moi, ça, là. Le grand acquis, le grand enseignement de cette prise de conscience, de tisser
une relation de confiance via les médias avec mes citoyens. Et si cette relation-là de confiance, elle est tissée avec mes citoyens, et que revient vers moi des grands défis pour pouvoir construire pour le Québec. Tu sais, on le sait que j'ai des compétences, connaissances en entrepreneuriat, que j'ai un intérêt pour une société du travail plus accueillante de la famille, que j'ai un désir d'une famille mieux soutenue dans notre société. J'ai encore des choses à faire au niveau politique. Si je réussis à tisser ce lien de confiance-là, et qu'il y a des nouveaux défis qui viennent vers moi, j'ai compris que pour avoir droit à ces défis-là, il faut que je puisse avoir le droit, par mes citoyens, de les construire. Et c'est par ce lien de confiance-là avec eux. Je ne peux pas travailler sans construire ce lien de confiance-là avec mes citoyens. Et la relation avec les médias, elle est essentielle. Donc, je me donne un moment, là, pour l'établir correctement, vraiment. J'ai été tellement bien accueillie dans le caucus après ce que j'ai vécu. Mes collègues ont dit, mes collègues ministres ont dit, Mère Chantal, on sait tout ce que ça aurait pu nous arriver et on sait que ça peut nous arriver. Ouais. Et ils m'ont dit, ils m'ont témoigné qu'ils admirent mon courage. J'ai été vraiment bien accueillie. J'ai eu l'occasion de leur faire des témoignages pour leur dire que ça m'a fait découvrir une chose, Maxime, importante sur notre parti. C'est facile d'être beau puis d'être fin quand tout va bien. Ouais. OK? Mais quand ça chire puis que ça accroche, c'est là où tu vois les vrais. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre ça. J'ai été, en toute humilité, un faux pas. Et là, tout le monde, quand je disais ça au parti, non, t'as pas été un faux pas. Tu sais, ils sont super gentils avec moi, tu sais. Puis je pars à rire. Ouais. En tout cas, je suis le faux pas affiché, là, puis c'est bien correct avec moi, là, c'est... je prends acte. Mais ce que ça m'a permis d'aller valider, c'est la force de mon parti. Ouais. OK? Et je peux te dire, ce que j'ai dit à mon parti, c'est la chose suivante. Puis je l'ai dit au premier ministre, j'ai dit, moi, ça m'a permis d'aller valider à quel point on est humain, mais aussi à quel point on est capable de traverser des périodes où on se fait rentrer dedans. Et malgré qu'on est un jeune parti qui a seulement 7 ans, j'ai dit à mon parti, on peut avoir le courage de nos ambitions, parce que moi, je suis allée voir le parti dans ses retranchements, et on a étonnamment une grande profondeur pour notre jeune âge. Alors moi, j'ai invité le parti, parce que je le sais que la population désire qu'on accomplisse des grandes choses. Oui. J'ai dit à mon parti, ayons ce courage des grandes choses parce qu'on a la solidité pour pouvoir le faire. C'est ce que je leur ai dit et c'est ce que ça m'a permis de vérifier dans les derniers mois. Puis moi, ben, entre-temps, je continue à prendre les leçons, à prendre les leçons puis à solidifier ma posture pour peut-être un jour pouvoir prendre de nouveaux défis.